deux vertus de l'ens disent toujours qu'une cigarette et un chien ne sont pas en grenade, mais ont tout de même un côté éclame. C'est une aventure à deux et on ne blâme personne. Mais tout le monde ne sait pas ce qui se passe, mais crie quelque part. Mais ne disent pas ce que l'on trinque. Mais à la fois docile, on ne comprend rien et on dit tout. Pour plus tard péter des soupçons et écrimer quelque chose. À savoir qu'au lendemain, on ne recouvrirait rien. Pourquoi pleurer, pourquoi rire quand on est homeless? C'est une fraction de seconde à tout savoir et à tout prédire. Mais à tout dire en soupçon pour plus tard maudire et dire qu'on n'a rien vu. À travers les yeux, à travers les songes. Et dire qu'on a pété d'un climat. Mais le chien a voyagé et a gardé son maître pour plus tard prédire qu'il n'était pas seul et il était entraîné à tout. Alors, au lieu de mentir, il a dit qu'il reviendrait et ferait son lèche-veto pour plus tard trimer qu'il serait là et qu'il n'abandonnerait pas l'homme. Mais pour aller où? À un chemin somptueux d'une guérilla et d'un homme de cheminée qui ont tout soufflé. D'où vient la nourriture de ces gens? On ne sait pas, mais dedans, ils ont un schedule radio et de toute peur. C'est de lendemain à radio, surtout à petit échange d'enfance, qu'on connaît l'homme et son animal de compagnie. Et plus tard, ils sont redonnés d'options, mais on ne sait pas où est-ce qu'ils se rencontrent, sachant en venir au fait, mais au dialogue connu. Mais le chien est bel et bien tel de peser qu'il dirait que lui a reniflé et a su qu'il devait couvrir la vertu de comprendre ce que l'homme aspirait à être haut, vaillant, riche et fort, ou mort et pauvre dans sa lenteur. Mais les gens ont dit qu'ils avaient la vie avec eux et ils étaient plutôt riches, mais braves aussi. Alors rien n'a assujetti à dire qu'ils étaient menteurs, mais ils étaient raconteurs. Tout est une histoire et entre eux, il y a des calamités de songes qui disent qu'au rayonnement de tout, ils ont accouru quelque part pour dire qu'ils étaient vitaminés contre beaucoup d'échanges et contre beaucoup de mœurs. D'où viennent-ils? On ne sait pas, mais on sait qu'ils ont eu des échanges avec les cieux et le royaume des morts pour plus tard être assoupis à être un chemin de croix d'acier FM sous sol pour dire qu'ils étaient punis d'un songe ou d'un miracle de Dieu les pères rassasiés à rien, d'un sortilège. Oui, c'est connu, mais que dire de leur histoire? On ne sait pas, mais cela a montré aussi des gens de côté gauche et droit qui étaient riches à rien. Et ils étaient aussi de côté de gauche à droite, pauvres à tout. Pour plus tard blasphémer avec personne, mais dire que la journée était belle, elle était air survivant. Respirez bien chez vous et embrassez les mœurs pour plus tard être coûteux partout et embrasser les songes à dire que vous n'êtes pas seul, mais épais, miracle à tout ce que vous envisagez. Merci à l'aveu de tout et à l'aveu des songes rassasiés d'un plus radieux à tout ce que vous embrassez sur votre chemin. L'animal de compagnie respire et il dit tout. Il rassasie des normes à comparaître avec quelqu'un et dire qu'il n'abandonnerait pas son compagnon. C'est tout des tombes de rassasie, de rameaux et de lune et d'histoire. On peut dire qu'en soulignement de croisade, on n'embrasserait rien ou on soulignerait que leurs échanges rattraperaient d'anciennes histoires entre eux. Il y a des journées ailleurs et il y a des journées ici. Ils sont passés partout et on les a vus ailleurs pour souligner qu'ils n'étaient pas seuls et qu'ils avaient des espions miracles de famille qui les dirigeaient ailleurs mais qui ne répondaient pas. Soyez attentifs à leur histoire et sachez d'où ils viennent pour plus tard dire beaucoup de choses sur eux.